Tournage de la bouche, première. Non. On peut faire ça aussi. Bonjour, ici... Oh, vous êtes au concert des Tubular Bells. Ah non, merde, on n'est pas du tout au concert, voilà. On est en studio, figurez-vous. En studio, nous voulions porter attention sur le t-shirt de Buzz aujourd'hui. Voilà. Qui est tachéifié, du verbe tachéisé. Il est beau. Tac. Il est beau. Beau t-shirt. Voilà, tout le monde a vu, c'est bien. Voilà. Donc là, le silence est tout à fait relatif, parce qu'en fait, dès que j'appuie sur ce bouton-là, ça fait ça. Bon, bref. Non, j'ai rien à dire, sinon. Est pas bonne de toute façon, mais ouais, faut pas continuer hein, quand c'est comme ça. Quand l'entrée est non, parce que je me suis dit après on peut faire un drop machin, mais bon, non, quand t'as deux pains, t'arrêtes quoi. Ah non, quand tu rentres avec un pain, c'est fini. Faut non, mais on aurait pu dropper l'un, ah, peut-être pas. Non, bah, t'as raison. Ça. Mais écoute, ouais. Écoute quand même une fois la partie basse. Il y a un truc qui est bizarre avec la basse. Hein. Écoute la partie basse dans le refrain. Tu vois, si, tu vois là ce que tu fais, c'est. Ouais. Dis-moi pas que c'est pas un sus 4 ou je te suce. Non, non. C'est que t'as des notes de transition de basse qui sont pas très heureuses par rapport à la guitare, mais sinon c'est bien. Mais hein. Je suis un. Si, si, c'est que je suis le. Non, 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 je fais pas ça. Non, non, non. Non, non, la première partie, elle fait. Non, faut juste faire les bons accords, Buzz. Je fais les bons accords. Mais non, parce que tu fais des sus 4 et, sous, et c'est non. Pour ça que c'est. C'est des power 15. Non. Oui, enfin bon. Fais sus 4 des frais après, par contre. Il n'y a pas le. Il n'y a pas le. Enfin bon. C'est... Moi je joue une carte et toi tu. Voilà, il veut dire que dans ton accord, il n'y a pas la note qui. Moi je joue une carte. Dans ta... que... Chante-moi le refrain, s'il te plaît. Juste guitare et voix. Vas-y. Et je suis seul, je passe ma vie au manteau. De canon, canon, c'est ce que je fais, tu vois. C'est sa mélodie que je fais. Donc ça peut pas être faux, parce que c'est la mélodie de voix.
c'est ces accords qui sont pas adaptés. Tu vois là ce que tu fais, c'est ouais. Dis-moi pas que c'est pas un sus 4 ou je te suce. C'est une power 4, non. C'est un guitariste. Là, tu fais ça là. C'est une 4 aussi. Eh oui, et celle-là, c'est quoi? Ici, là. C'est une 4 renforcée à l'octave. Celle-ci, là. Non, mais celle-ci, là. Celle-ci, là. Pas celle-là. Et c'est laquelle? Moi, pour moi, oui. Ça, c'est la fondamentale, d'accord. Ça, c'est la quinte aiguë, et ça, c'est la quinte grave. D'accord. Tu as donc tort. Mais des fois, la quinte grave... Mais là, ça sonne comme une fausse tonique en sus 4. C'est comme ça que ça sonne, cet accord. Et oui, voilà. Le souci, c'est que c'est de la quinte grave, c'est que voilà. Tu as l'impression que la quinte grave est la tonique. Voilà. Et quand tu apprends la musique, on te dit toujours que la note la plus grave doit être la tonique. C'est pour ça que la quinte grave, des fois, et ça frotte. Pour moi. Ou alors, pour que ça frotte moins, faut la jouer à l'envers. Alors comme ça, quand moi je fais une carte qui est dans la mélodie, et bah forcément ça sonne. Mais c'est pas grave. Simplement, tu joues tes accords et ça marche. Ça mais par contre, moi ce que je lui dis, c'est qu'il y a trop de. Mais c'est des fois pas la plus. Tu fais déjà peut-être Ah oui, ça c'est la basse, tout ça. Tu dis rien, toi. Quand tu fais des double croches 60s. Ouais, j'aime bien, c'est un new style. Tu refais tout, j'imagine. Tu m'as filmé. Des double croches 60s. Des sextoloches. Des sextoloches. Gandolfio. Vous savez ce que c'est, Gandolfio? C'est ça. Tu vois là ce que tu fais, c'est. Ouais. Dis-moi pas que c'est pas un sus 4 ou je te suce.